Bon, normalement, ouais, que c'est un prélude de l'organisation de carnaval qu'a fait dans Port-de-Paix. Et nous connaissons pertinemment comment l'insalubrité est liée, surtout dans la zone Sahel. Et nous-mêmes, étant que SNGRS, qui dans le domaine a travaillé pour réduire l'insalubrité qui vient dans le pays, nous sommes obligés de monter dans la cité de Capoua-la-Moua pour nous venir rencontrer avec toute autorité qui est impliquée dans la gestion et organisation carnaval et carnaval national qui a fait dans Port-de-Paix. Donc nous avons rencontré avec le magistrat communal là, nous parlons avec le téléphone, nous mettons à la disposition de toutes quatre mairies pour nous faire une visite de prospection pour nous garder sur combien de mètres ou kilomètres que le défilé carnaval a fait. Nous avons rencontré avec le commissaire de police, avec le directeur départemental police, nous avons rencontré avec le commissaire du gouvernement, nous avons rencontré avec toute autorité qui est dans la zone et au niveau local. Donc je dis à nous discuter avec la mairie qui approche nous, capoter nous-mêmes SNGRS avec la mairie pour nous permettre que nous avons une gestion saine qui fait avec la question insalubrité qui a bien sur tout le parcours carnaval. Donc moi c'est que c'est son toute première, mais nous allons continuer le travail avec et la mairie, qui c'est lui-même qui gagne lead dans la question de propriété cap-gérer commune. Et nous suggérons pour créer une task force entre eux, côté que discussion va commencer dès demain pour connaître que besoin yo et qui est-ce qui a fait quoi pour ne pas avoir une duplication dans le travail pour faire yo et puis pour le travail pas fait. Donc il y a uni yo pour un travail bien fait et je pense que c'est ça tout. Et le président Jovenel lui-même l'a demandé. Il demande pour que tout le monde mette tête ensemble pour que le carnaval ait réussite, non seulement dans la couleur, mais pour ça nous gagne en termes d'insalubrité, pour que nous gardions au fur et à mesure notre travail sur nous, pour que le carnaval là bien passé dans le département et nord-ouest là, avec, disons, et plus particulièrement dans la commune Port-de-Paix. Et en termes de matériel, est-ce que SNGRS lui-même il a côté support? Bon, normalement, et chaque institution a une carence de matériel, ça a besoin pour continuer le travail là. Mais chaque monde bon côté pareil a porté ça au gain pour permettre que nous fassions résultante. Et ces résultats qui fait que et 3 jours de carnaval là bien passé. Parce que nous avons pour nous prendre prise de ça qu'a fait là, nous avons pour nous prendre charge de ça qu'a fait là avant carnaval là, pendant carnaval là et après carnaval là. Je trouve que ça c'est une opportunité pour non seulement pour demain, mais pour Nord-Ouest. Parce que il y a quelques travaux qui ont commencé dans le projet route Kafou-Joff en Safoleur que le président a gagné. Il a fait promesse à la population nord-ouest là. Donc le travail ça va pour aller plus vite, c'est une occasion pour travailler ça aller plus vite. Parce qu'il y a des étrangers qui ont rentré là. Fort route là, on est accessible à machines, à moyen de locomotion qu'il a utilisé pour venir là. Donc c'est une opportunité. Et nous battons bravo pour la présidence qui prend l'initiative pour faire carnaval national là dans Port-de-Paix. Et grand paquet l'autre opportunité encore, côté que monde qui a un restaurant, monde qui a un hôtel, monde qui a un caille privé, tout, il a profité de l'occasion pour faire un petit chouchou. Dans le cadre propre ville là. SNGRS présent, ils viennent faire une expertise pour capable dans qui mesure nous capable et rentrer dans propreté parce que nous connaissons avec visite et une série de cadres avec touristes avec une série de monde que nous pas recevoir qui venir tout côté dans carnaval là, l'important pour nous capable motiver dans sens ça pour nettoyage capable faire plus pour capable de plus grande envergure. Et c'est une raison qui fait gouvernement et de concert avec première dame non et penser à ça depuis quelques mois au mois de novembre, je pensais mettre bureau SNGRS dans Port-de-Paix pour capoter renfort à degré de salubrité qui gagne dans ville pour capable rendre ville accessible à tout le monde qui vient pour venir. Et nous connaissons que Jean Villatéa nous connaît que au fil des temps, il y a une amélioration qu'on fait avec la présence SNGRS et puis deux conseils avec la mairie. Que nous allons commencer dès lundi avec le travail jusqu'à arriver dans le carnaval. Et le travail, ça, il y a continué même après le carnaval parce que
toujours gagné, disons, toujours gagné parole cap 10 au nord-ouest, que c'est une ville qui sale. Mais très bientôt, ville port de paix, je m'excuse, pour aller tourner une ville qui est plus propre à travers la République. Concernant l'activité Carnaval Excellent, et que premièrement, m'a félicité le président de la République et son excellence, M. Jovenel Moïse, qui était prend l'initiative ça en décembre pour que Carnaval et 2021 capable d'organiser dans le département du Nord-Ouest, à savoir commune Port-de-Paix. Et côté grand pile monde, et depuis des années, Carnaval national qu'on a organisé dans l'autre département. Et tout l'autre département a bénéficié, mais Port-de-Paix et Nord-Ouest pas jamais et bénéficier Carnaval dans l'histoire et Port-de-Paix, Carnaval national. Et mon Nord-Ouest pas jamais pensé tout si Nord-Ouest est capable un jour bénéficier Carnaval national vu à tronçon route Kafoujof et Port-de-Paix et Dian Safouleur. Donc et côté yon promesse président fait et l'étape bay route Kafoujof Port-de-Paix. Donc à cause route ça qui tellement est difficile et route n'a pas de bon, donc pas de monde qui était espéré si Carnaval était capable et national était capable d'organiser Port-de-Paix. Mais avec le président Jovenel Moïse, donc nous venons joindre une route ça qui en chantier. Côté en majorité tronçonnant route là et loin là route la travail, donc et ça qui en terre battue, ça qui déjà coulé asphalte, ça veut dire que nous avons plus l'espoir que route Nord-Ouest ça et sous Jean président parler avec les rapides là la nuit qu'on la journée et technicien TPTC CNE à travail, donc nous pensons route ça déjà prêt côté pour recevoir et tout le monde qui va venir dans carnaval national dans Nord-Ouest.